Ok, alors je n'ai pas pu aller finalement au restaurant, parce qu'au restaurant il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas Sophia Blake, donc encore une fois, parce que j'ai dû être trop en avant ou trop en retard dans le jeu. Parce que je rappelle que le jeu s'adapte assez mal suivant vos choix. Donc là je suis dans le bureau de Jacques Elouin, donc notre détective amateur, et je n'étais pas allé au grenier en fait. Au grenier il y a sûrement des trucs à choper. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors comment on fait déjà pour activer avec les Y. Ça me dit pas ce que c'est. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Une lampe de poche. Ah bah voilà. Je peux l'utiliser? Visiblement non. Bon, je récupère une lampe de poche, cool. Ça va me servir à quoi? J'en ai aucune idée. Bah non, bah écoutez. Je pourrais de toute façon savoir où je dois aller. Je vais aller, je pense, chez le docteur et faire son espèce de labyrinthe. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah, je pourrais rentrer ici en fait. C'est quoi ça? Rapport de police, cahier de ça. Ah, je peux pas. Il n'y a personne. Parce que là c'est sa mère qui habite ici. Il n'y a personne. On peut y aller chez sa mère. Attends, s'il y a personne, je peux pas prendre juste... Non, non, non. Ok, bon, ça on va. Bah écoutez, on va aller au bureau de Frank Kofner. On va regarder un petit peu... où il faut... Oh là. Merveilleux. Ok, pardon pour ce bug, ça semble remarcher. Écoutez, je vais pas me plaindre. Donc il faut qu'on essaye de trouver... comment passer dans ce dédale. Donc, où est-il ? Putain, où faut aller ? Bon, là, je suis à gauche. Ok, on arrive à une grille. Je peux pas ? Non. J'avoue, je ne peux pas. En fait, c'est pas trop un dédale, il y a juste. Là, j'ai une grille, ok. Ah mais il y a une porte là. Je peux pas y aller. Non, je peux pas. Là non plus. Bah, il devait y avoir un endroit pour passer, je pense. Attends. Bah écoutez. J'en ai plus aucune idée. Alors, la vie c'est à gauche, donc à gauche je peux aller vraiment très loin à gauche. Parce que là en fait il y a une grille qui est ouverte. Ah là peut-être. Oui là il y a une alcove. Ok. Ça doit être ici je pense. Si on peut aller là c'est bien pour faire un truc non? Non? Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Il y a la petite musique, ça peut bien te casser les couilles. Ah bah non, en fait, ça c'est un levier. Voilà. Ok, c'est bon. Hop, ça ferme l'autre, d'accord. Ok, ok. Putain. 20 minutes pour trouver le levier quand même. Bon, je cliquais partout comme un singe. Alors, ok, ok, j'arrive là, j'arrive là. Ah, voilà un autre. Ah, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas ce que ça fait. Ah, oh, bah si, ça ouvre. C'est pas compliqué. Alors là, il y a une porte. À mon avis, c'est là qu'il faut aller. Où est-ce que je peux trouver un levier? Ici. Ouais, c'est dans les renfoncements là qu'il y a des leviers. Ah merde, ça ferme ici.
Ok. Non, pas d'enfoncement. Là non plus, là non plus. Attends, je suis où là? Ah, j'ai dû me foirer. Ah non, là ici, on peut en mettre un là. Là. D'accord. Ok. Voilà, c'est où? Eh! Ah non, merde. Ah mais attends, il y a peut-être un levier dans le renfoncement. Là, il y a peut-être un renfoncement ici. Là, non. Non, là, il faut faire le tour ici. Attends, il y en avait un levier ici. Non, si j'ouvre celui-là, il va me fermer celui-là. À mon avis. Il faut refermer celui-là, à mon avis. Non, non, parce que je vais être bloqué. Bah si, non, non, non. Faut que je ferme celui-là. Parce que ça va fermer celui à gauche. Ça va ouvrir celui à droite, non? Celui-là, il va être ouvert, normalement. Voilà. Voilà. Normalement, peut-être que... Ah non. En fait, je suis con, parce qu'il faut que je trouve celui qui ouvre le machin. En fait, je ne sais pas du tout lequel ouvre celui-là. C'est ça qu'il faut que je trouve, en fait, pour voir la solution. Alors là, je suis bloqué. Et si je le fais... Et si j'ouvre celui-là? Attends, il est où? Normalement, celui-là est fermé. Et là-bas, ça devrait être ouvert. Ah non, je l'ai fermé. Ah, je crois peut-être savoir. Attends. Je vais ouvrir celui-là. Le problème c'est ça, je sais pas lequel ouvre celui-là. Je vais ouvrir celui-là et... Ah non, ça doit être vers là-bas en fait, il faudrait que j'ouvre plutôt. Si je ferme celui-là, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je réfléchis parce que c'est un peu dur. Mais ce qui fait que celui-là là-haut est... Ah non, il est ouvert. Est-ce que ça m'a ouvert celui-là? Ah non, je suis fermé. Je vais... Ouais, je vais ouvrir celui-là. Il est où le machin? Là. Ça devrait ouvrir celui-là, non? Oui. Et celui-là n'est pas ouvert, parce que je ne sais pas... C'est le problème, je ne sais pas lequel ouvre celui-là. J'imagine que... Je ne sais pas en fait lequel ouf celui-là, la porte du bureau. Bah écoutez, je vais essayer de faire des combinaisons, puis je vous reprends. Ok, j'ai réussi, ça m'a pris 10 minutes en fait. C'est le premier interrupteur en fait qui libère ça, donc je suis passé de l'autre côté. C'était pas très difficile en fait, une fois que t'as pigé le truc. On va là donc dans le bureau du docteur Kofner. Bon, il est pas là, tant mieux. Regardez, ah, j'ai vu un truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, un triangle. Est-il équilatéral ou isocèle? C'est d'autres trucs? Non. Ah si. Ah non, c'est ça que j'ai pris. Non, pardon. Non, non, sort, sort. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah. Oh, un médaillon. C'est quoi ce médaillon? C'est quoi le médaillon des Wright? Une pendule fait avec une ancienne pièce de monnaie. Ok. Alors, le bureau. L'œuf, symbole d'immortalité, dirait Madame Loiseau. C'est étrange. Je ne me rappelle pas que Éloi en ait parlé. Au cœur de l'œuf, le secret de l'âme. Un cylindre de cire marqué « Le cycle du phénix » par F. Kofner. Reste à trouver un phonographe. Ah bah il y en a un chez la vieille, Madame Loiseau, que je l'avais touché dans l'épisode d'avant. Ah, un bouquin. Je peux ouvrir le bouquin? Non pas. Le journal du docteur Kofner.
comment je fais pour l'ouvrir? Ah, je suis pas sûr de l'ouvrir. Je crois que c'est possible de l'ouvrir. Au phonographe chez Madame Loiseau, ça je m'en rappelle. Comme quoi. Attends, journal, normalement je peux le lire sur. Aller à l'hôtel Orphée. Ah non, attends, il faut que j'aille. Je vais quand même récupérer la lampe. Je suis pas loin. Il n'y a personne. Non, je vais récupérer la lampe. Je suis à loin parce qu'en fait, sinon ça buguait. Sinon le jeu buguait. Vous avez vu comment c'était. Voilà, la lampe, ça je l'ai. C'est fait. On se barre. Tac, tac. Et on va à l'hôtel Orphée. On va voir l'autre vieille peau. C'est ici. Salut, t'aimes bien le truc? Revenez plus tard, j'ai besoin de repos. Non, j'ai écouté ton phonogramme, la vieille. Voilà. C'est fait. Ça marche pas. Ai-je bien saisi l'impact qu'est les traitements de cet homme allaient avoir sur moi, sur ma carrière, sur mon propre destin? Des corps encore, son âme est passée à travers les siècles. Les cycles du phénix. Il est le phénix renaissant de ses cendres. Et il m'a confié les secrets de son pouvoir, de sa richesse. C'est la tête des Baphomets. Les mythes, mais bien connus. La bibliothèque des compagnons, contenant plus d'une légende à son sujet. GDA affirme posséder la tête depuis le Moyen-Âge. Ah. Dès l'avoir acquise au Moyen-Orient, pour le compte des Templiers, et de l'avoir conservée après leur dissolution. Osez traiter mon manifeste de conte de fées scientifiques. Il se croit être la sommité en matière de psychanalyse. Vienne. Je leur prouverai ma théorie. Je leur prouverai que Grégoire des Alpins est immortel. Lentement, des Alpins me laisse une place de plus en plus importante dans son existence. Sous hypnose, je suis arrivé à lui implanter ma volonté tout en épousant ses ambitions. Je serai son successeur à la tête des compagnons. Et son pouvoir, sa richesse, les Baphomets, tout sera mien. Je serai son héritier. Le moment est venu. Ce soir, les Alpins désirent me recevoir à son manoir. Gracie Eaton, son Adeline, y sera. Dès cette nuit, je serai le plus grand. Ni Vienne, ni des Alpins ne peuvent maintenant m'arrêter. Il est gentil de les dire tout son fou plan, est convaincu que je suis prêt à recevoir son âme. C'est sa richesse que je recevrai. Et avec elle, son influence. Et là, Vienne paiera son insolence. Vienne, mais je sais toujours pas c'est qui Vienne. En tout cas, l'autre, il nous arrivait tout son plan. Donc, a priori, des Alpins est immortel ou. En échangeant de corps, c'est ça à peu près qu'il a dit, mais. Visiblement, il faut que j'aille au compagnon. Enfin, je crois. Attends, c'est pas au console.
Et les compagnons, je crois que la greluche, elle m'avait dit qu'elle me ferait une lettre pour y aller. Je vais essayer de voir si c'est ça. Je regardais juste si elle est revenue ou t'allais au restaurant. Bonsoir, monsieur. Bienvenue chez Alexandre. Monsieur désire-t-il quelque chose? Ah oui, il y a une table réservée au nom de Blake. Il y a une table réservée au nom de Blake. Sophia Blake. Je viens rejoindre madame. Mon nom est Gus Macpherson. C'est ça qui manque. Ouais, il va me dire qu'elle est pas là. Si monsieur veut bien me suivre, ah bah si, elle est là. Mademoiselle Blake vous attend. Salut Sophia. De quel camp es-tu? Ah merde, faut que je bouge en fait. J'imagine que si vous désiriez me rencontrer, monsieur Macpherson, c'est que vous avez progressé. Accusateur, vous me devez des explications, mademoiselle Black. Tout ce que m'a dit n'est qu'un petit moment. Ah ouais, c'est parce que j'ai trouvé qu'il existait la tête de Baphomet. Je veux dire que elle m'a menti. Vous me devez des explications, mademoiselle Blake. Tout ce que vous m'avez dit n'est qu'un ramassis de mensonges. Je ne comprends pas, monsieur Macpherson. Que voulez-vous dire? Oh putain, l'intonation des gens. Vous m'avez menti sur votre lien avec les White. Qui sont-ils vraiment? Mademoiselle Blake, vous m'avez menti sur votre lien avec les White. Qui sont-ils vraiment? Ruby White était ma jeune sœur. Et Regis White, son époux. Je vous l'ai déjà dit, monsieur Macpherson. J'imagine que si je vous parlais de la tête de Baphomet, ça ne vous dirait rien. J'imagine que si je vous parlais de la tête de Baphomet, ça ne vous dirait rien. Je ne vois pas de quoi vous parler, monsieur Macpherson. Je devrais connaître? Je fous de ma gueule. Je n'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Je n'aime pas que l'on me prenne pour un imbécile, mademoiselle Blake. D'accord. J'admets que je n'ai pas totalement été honnête avec vous. Que voulez-vous savoir? Dès le début, vous saviez qui a tué les White. C'est que coup que les White que je sens. Voilà, on va commencer. Je sais que le couple que vous appelez White est connu sous un autre nom. Je sais que le couple que vous appelez les White est connu sous un autre nom. Dites-moi ce que vous savez sur eux. Dites-moi tout. Je n'ai pas de lien de parenté avec ces individus. Ce sont des professionnels que j'ai engagés. Ah, les engagés? Que faisait-il à Paris? Je veux la vérité, mademoiselle. Qu'elle les a vraiment engagés. L'important, c'est qu'ils étaient à Paris pour récupérer un objet qui m'appartenait, monsieur Macpherson. Ils n'étaient que deux professionnels, prêts à tout pour un peu d'argent. Un peu comme vous, en fait. Oh, ils n'ont rien à voir avec moi. Selon vous, qui aurait tué les White? Monsieur Macpherson, si je connaissais le responsable de la mort des White, je n'aurais pas fait appel à vous. Il y a eu un contact entre eux et Grégoire de Alpin. Vous connaissez l'existence de cet homme, qui est-il vraiment? Vous reconnaissez donc l'existence de cet homme, Grégoire de Alpin? Qui est-il vraiment? Un malade, aveuglé par une obsession, possédait une relique investie d'une soi-disant valeur, la tête de Baphomet. Où sont les chevaliers? Lol. Il détruit ma vie, monsieur. It's a clown. De Alpin a conduit mon époux à la mort, ma famille à la ruine. Ah, vous avez déjà quelqu'un? Moi, je m'en vais. Ça, je laisse. C'est quoi ça? Non. Ouais, au cours de mon enquête, on m'a parlé d'un objet apparemment très convoité. La tête de Baphomet. Ça vous dit quelque chose? Je viens de t'en parler, espèce de... Cet objet est dans la famille de mon époux depuis des générations, monsieur Macpherson. Je ne vous ai pas menti. Grégoire de Alpin nous l'a volé. Mon époux, déjà affaibli par la maladie, en est mort de chagrin. Aujourd'hui, je veux récupérer ce qui est à moi et venger la mémoire de celui que j'aimais. Ah, il est mort, vous êtes veuve alors? Vous êtes disponible? Pourquoi plusieurs identités? Ils étaient des professionnels de l'arnaque, monsieur Macpherson. Dès qu'ils avaient leur chambre à l'hôtel Orphée, ils devenaient les White, riches couples en vacances. C'était aussi le signal qu'il avait réussi leur coup. Je devais alors prendre livraison de la marchandise. Malheureusement, ils ont été tués dans l'intermède. Ouais. Allez voir la police avec votre histoire telle que vous me l'avez racontée. Ce commissaire Lebrun sera prêt à vous aider. Il comprendra sûrement. Je pense pas.
Vous n'avez pas encore compris. La police veut rester en dehors de cette affaire. De Halpin à la police parisienne dans sa poche, Monsieur McPherson. Paris se balance comme un pantin au bout de ses ficelles. Ce tueur, croyez-vous qu'il frappera encore ? Il est prêt à tout pour arriver à ses fins, Monsieur McPherson. Tous ceux qui ont croisé sa route courent un danger. Cet homme est fou. Il tuera encore. Comprenez que vous êtes le seul qui puissiez l'arrêter. Nous devons mettre fin à cette folie. Il faut retrouver cet objet avant que d'autres têtes ne tombent. Eh oui, ne t'inquiète pas. Je vais te le retrouver, moi, ton petit objet. Quelle importance a cet objet, cette tête de Baphomet ? Pourquoi de Halpin tient-il absolument à se la procurer ? Je n'en sais trop rien. Mon époux était très secret sur la valeur de cette tête de Baphomet. Pour ma part, je veux seulement récupérer ce qui est à moi. Mais de Halpin et les siens vénèrent cette relique, l'entourent de nombreuses légendes, légendes d'immortalité. Au déclin de votre existence, ces légendes deviennent soudainement source d'espoir, source de vie et de mort. Pourquoi votre histoire est tragique, Mademoiselle Black ? Pourquoi ne m'avoir pas dit la vérité ? Votre histoire est tragique, Mademoiselle Black. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le départ ? La vérité. J'étais seule à Paris, face à un ennemi redoutable. Je devais agir vite et discrètement. Si vous aviez refusé de m'aider, Monsieur McPherson, je n'avais personne d'autre. Je ne voulais pas être malhonnête envers vous. D'accord. On va dire qu'on va continuer, de toute façon, je pense que... J'ai accepté de travailler pour vous, j'irai jusqu'au bout. Vous voyez bien que l'on peut s'entendre, Monsieur McPherson. Merci. Il a remis mon chapeau direct. Bon, j'ai plus qu'à me barrer d'ici. Je vais aller voir comment elle s'appelle l'autre bébé. Non, Bérénice. Salle de réunion de l'OSCP, parce que je peux pas y entrer. Elle est où la bébé ? Elle est là, la bébé ? Salut, Bérénice. Mac, je vais commencer à croire que tu peux pas te passer de moi. J'ai peut-être oublié quelque chose chez toi ? Ouais, ton string. Ouais. J'ai besoin de la lettre. Bah, bébé, j'ai besoin de la lettre d'introduction. L'as-tu terminée ? Tiens, la voilà. Voilà. Tout est simple. Merci, bébé. Mac, je vais commencer à croire que tu peux pas te passer de moi. J'ai peut-être oublié quelque chose chez toi ? Oui, ton paiement pour la nuit. C'était combien, 100 euros, tu m'as dit ? Tu vas devoir te passer de moi encore un peu, Bérénice. Hit the road again. Besoin de bosser pour bouffer. Bye. Putain. Ciao, Mac. L'accent. Take care. Take care. On the road again. Again. On the road again. Again. Allez, c'est le rayon de l'OSCP. Salut, tête de... Monsieur, dois-je vous répéter que seuls les initiés ont accès aux locaux des compagnons ? Je vais donc encore une fois vous demander de quitter les lieux. Et moi je vais dire d'aller te faire foutre. Regarde ça, mon mec. Regarde. Et ça c'est quoi ? Hop ! C'est une plaisanterie ! Cette lettre n'a pas été écrite par Monsieur de Halpin. Quelqu'un vous a remis ce document ? C'est une plaisanterie. Merde. Cette lettre n'a pas été écrite par Monsieur de Halpin. Quelqu'un vous a remis ce document ? Que ça peut te foutre ? Monsieur, dois-je vous répéter que seuls les initiés ont accès aux locaux des compagnons ? Je vais donc encore une fois vous demander de quitter les lieux. Bon, bah je vais revoir Bérénice et lui dire mais c'est de la merde ton truc. Qu'est-ce que je pourrais faire sinon ? Ça marche pas. Ah, c'est un téléphone. Bonsoir, quel numéro désirez-vous ? Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle. Je voudrais Élysée 1528. Je voudrais parler à Sophia Blake. Tout de suite, monsieur. Ah, il me faut un truc d'entrée. Si tu peux me filer un truc d'entrée, si c'est pour lui. Ça n'arrive plus. Hulot, peut-être ? Il n'y a pas de réponse, monsieur. Essayez plus tard. J'ai peut-être un commissariat, si. Mac, je vais commencer à croire que tu peux pas te passer de moi.
J'ai peut-être oublié quelque chose chez toi? Oui, une vraie lettre d'introduction, connasse. Bérénice, tout ce que je te demande, c'est d'être prudente. Cette affaire est bien compliquée et plus dangereuse qu'elle en a l'air. Je file. On se revoit bientôt. Ciao, Mac. Take care. Ouais, take care. Il n'y a pas eu l'eau quelque part ici. Non. Bon, où est-ce que je pourrais aller? Commissariat? Je ne veux pas être mêlé à tout ça. Non merci, pas pour moi. Beaucoup trop complexe. Alors, dès qu'on a dit une phrase, il est déjà perdu. Bon, je vais aller voir ton patron. Monsieur MacPherson, je pensais justement à vous. Content de vous revoir. Vous m'apportez d'autres coupables? Je n'abandonne pas, monsieur le commissaire. Bien au contraire, je reviendrai avec du nouveau. Parfait, MacPherson. Revenez quand vous voulez. Vous savez où me trouver. Ça m'étonnerait. Et si je lui file le... Bureau de Jacques, non. Maison de deux Alpins, ouais, maison de deux Alpins. Étrange porte d'entrée. Version améliorée de toutes les serrures que j'ai pu trouver sur mon chemin. Je peux le mettre, je pense, avec ça. Attendez, j'avais trouvé un machin. Non, ça rentre pas. Étrange porte d'entrée. Version améliorée de toutes les serrures que j'ai pu trouver sur mon chemin. Écoutez, je fouille un petit peu. Ok, je n'avais pas complètement fouillé le bureau du docteur. En fait, il a des tiroirs ici. Et visiblement, un dossier médical au nom d'une patiente appelée G.E. Gracie Eaton. Si elle a été patiente ici, c'est que Eloin dit la vérité. Les notes de Eloin. Elle résume son enquête. Ah, cool. D'accord, voyons ce que c'est. Dossier médical de G. de Alpin. Nom du sujet, G. de Alpin, 65 ans, introduit au sujet par un intérêt commun. En 1921, sujet est observé pour la première fois lors d'une réunion des COSCP. Orateur exemplaire, il parut dès les premiers instants atteint de ce qui est défini comme une hystérie mélancolique, une obsession pour une époque ancienne. Pour une époque ancienne, pardon. Dans son cas, Grégoire de Alpin est convaincu d'avoir vécu au XIIIe siècle et d'avoir été templier. Ah oui, quand même. Écoutez, il a été reprendre Jérusalem. À la suite de nombreuses discussions, le sujet s'est porté volontaire pour quelques séances. Des séances d'hypnose sont prescrites pour amener progressivement le patient dans le passé. Premier jour. Grégoire de Alpin souffre bien d'hystérie mélancolique, une variation de la théorie de Carl Jung. Une conscience collective mais qui traverse les âges, chez un seul homme, une conscience éveillée sur l'existence d'une vie antérieure. Écoutez, c'est un petit peu l'ennemi à travers les siècles, comme dans Ricochet. Au-delà de tous les rêves les plus fous, Grégoire de Alpin est la preuve vivante de la théorie de Koffner. Le sujet, Grégoire de Alpin, croit fermement qu'il vit depuis le XIIIe siècle. Il croit être la même personne depuis cette époque reculée, né à Clamcy, France. Il croit être un praticien des arts alchimiques. Il est convaincu de posséder le secret de l'immortalité. Depuis plusieurs mois, le sujet Grégoire de Alpin s'est montré de plus en plus réceptif au traitement d'hypnothérapie comme un livre ouvert. Il a confié son histoire. Et ce, avec une telle précision, un amour interdit, Adeline, aurait déclenché son hystérie mélancolique. Adeline était la fille de sa première victime, du premier corps qu'il aurait possédé. Il appelle ce phénomène le transfert de l'âme, ou transmigration. Par la suite, et à travers les siècles, cette figure féminine aurait toujours été présente au moment de la transmigration, du passage de son âme d'un corps à un autre. Le docteur Koffner questionne qui représente cette Adeline, sûrement Gracie Eaton. Le docteur Koffner semble croire que Grégoire de Lapin a tué tous ses hommes, ses ancêtres, comme il les nomme. Si oui, cela fait de lui un criminel. Mais Koffner renonce à le dénoncer, le considérant comme son sujet de recherche. Près de 4 ans à gagner sa confiance, à bâtir ce cas unique, et voilà que tout se concrétise. Une femme se présente au cabinet du docteur Koffner. Elle se dit être Adeline, mais le docteur reconnaît la même Adeline que celle du cas de Grégoire de Alpin. Il décide de la traiter et d'éventuellement la présenter à Grégoire de Alpin.
Nom du chien. Ouais, on l'a vu. Ok. Ok. D'accord. Ah, le dossier médical de... Non. C'est l'autre que j'ai pas lu. Le dossier médical de... Gracie Keaton, qui est en fait Adeline. Ça, c'est une chose, en fait. D'accord. D'accord. Ok. C'est quoi ça? Je regarde un petit peu ce que j'ai. Ah, c'est OSCP, c'est les compagnies. Ok. Ouais, le nœud de Halouin. Ok. Qu'est-ce que je fasse maintenant? Maintenant que j'ai ça. Je vais regarder. Ok, après avoir fouillé un peu, j'ai été sur le téléphone. Et là, j'ai une nouvelle ligne de dialogue. Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle, je voudrais le bureau des postes et télégraphes, s'il vous plaît, pour envoyer un télégramme. Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle, je voudrais le bureau des postes et télégraphes, s'il vous plaît, pour envoyer un télégramme. Tout de suite, monsieur. Télégramme, Sam. Poste et télégraphes, j'écoute. C'est urgent, télégramme envoyé à New York. J. Wells, Pinkerton, prenez note, recherche renseignements sur un couple. Faye et Jerome Johnson. C'est urgent. Ah oui, un télégramme envoyé à New York. J. Wells, Pinkerton Agency. Prenez note. Recherche renseignements sur un couple. Faye et Jerome Johnson, américain. C'est noté. Terminé, monsieur. Au revoir. Mais par contre, comment j'ai la réponse du télégramme, je m'en rappelle plus. Vous encore? Monsieur, je n'ai plus rien à vous dire. Visiblement, non. Est-ce que maintenant que j'ai trouvé ça, est-ce que je peux pas aller à l'alambic? Peut-être que j'aurai des... Non, je peux pas aller. Mac, je vais commencer à croire que tu peux pas te passer de moi. J'ai peut-être oublié quelque chose chez toi? Oui, ton cerveau. Bérénice, tout ce que je te demande, c'est d'être prudente. Cette affaire est bien compliquée et plus dangereuse qu'elle en a l'air. Je file. On se revoit bientôt. Ciao, Mac. Take care. Ça fait toujours de rire, ça. Ciao, Mac. Take care. Où est-ce que je pourrais aller? Bah, normalement, je peux récupérer le télégramme chez moi, non? Ici que je reçois les télé... Ah voilà, Telegram. Alors voyons voir. Ah c'est quoi ça? Passeport américain, nom de Faye et machin. Non, je l'avais déjà ça. Alors Telegram. Pinkerton National Detective Agency. Blake fut uniche. Riche héritière de son défunt mari, aucun dossier criminel. Ok. Bah d'accord. Je sais pas trop. Je vais refouiller. Ok, en fait chez le docteur Kofner, c'est une vraie mine d'or. En fait j'ai trouvé toutes les pierres triangulaires chez lui. Truc, donc normalement je devrais ouvrir maintenant la maison de deux alpins. Enfin je pense, j'espère. Comme c'est sombre, on voit vraiment que dalle, c'est que... Étrange porte d'entrée. Version améliorée de toutes les serrures que j'ai pu trouver sur mon chemin. Bon, j'ai mis 4 trucs. Alors. Ah bah voilà. Et on va tous les mettre et donc je vais pouvoir rentrer chez deux alpins. Chez notre immortel. Il va sortir, il va nous dire « Il ne peut en rester qu'un !» Allez, mets-nous tout ça.
Allez. Alors. Oh non, sérieux? La photo là, je l'ai pas vue dans... D'ailleurs, Sophie, le tableau. Ah, il me semble. Eh bah, ça mérite une belle baraque.